Noir Loisir du Handball Club de Lenneville pour l'année 2017. Très content de l'événement. C'était un tournoi qui avait tendance plus ou moins à partir en sommeil. Et grâce à la motivation et entre guillemets à l'élan des bénévoles du club, on a pu justement faire un tournoi de qualité cette année. Et on peut dire que depuis les 11 ans du Handball Club de Lenneville, on fait le plus beau tournoi loisir du Handball Club de Lenneville. Franchement, un moment de rigolade qu'on partage tous ensemble. Inutile de vous dire que l'équipe dans laquelle je joue est classée bonne dernière pour l'instant. Mais c'est pas grave, là n'est pas le but. Le but, c'est simplement de passer un bon moment agréable avec des gens qu'on croise tous les jours, avec lesquels on travaille tous les jours. Et ça nous permet justement de pouvoir échanger dans d'autres circonstances. Équipe totalement indépendante du club, avec quelques joueurs éventuellement du club, mais des gens qui viennent de partout dans le département, entre les pompiers de Bresles ou le club de Lenneville-Sec, en l'occurrence. Nous sommes toujours contents aussi d'avoir parmi nos participants la mairie de Lenneville avec le maire qui participe à ce tournoi. Ça montre l'intérêt qu'il porte au club. Même le maire que je suis prend beaucoup de plaisir et pour moi c'est un rendez-vous incontournable et je le fais bien volontiers chaque année. J'espère que ce tournoi handball loisir continuera de perdurer. Cette année on a 8 équipes complètes, on a près de 200 personnes au total, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Et nous on essaiera de donner les moyens pour donner peut-être un peu plus d'ampleur à l'événement, parce que c'est vrai que c'est quand même un moment assez festif, assez marrant et assez agréable à regarder. Tout le monde est heureux, les gens sont déguisés, on est sur le thème du carnaval. En même temps, on a une musique de fond qui accompagne le tournoi et c'est vraiment la touche qui donne justement la particularité de ce tournoi. Et voilà, quoi, je remercie en plus tous les bénévoles qui se sont donnés à fond, avec qui on a pu faire une belle réussite encore aujourd'hui.